mutakatifu puisse les toucher, apate kumgusa, puisse les sauver, amokoe, et sur le malade, akame kumgonjwa, laisse qu'en entrant dans cette salle, mkuingia mwikanisa, il soit déjà guéri, apate mara moja kupona. Amen. Amina. Ayons la foi en Dieu. Tukweni na imani ndani ya Mungu. Croyons Dieu sur parole. Amini Mungu pa maneno yake. Parce que le saint prophète nous dit que la foi ne connaît pas de défaite. Imani abayuinake. La foi n'échoue jamais. Imani aishindwake. Quand vous avez la foi, wakati kuna imani, vous irez de victoire en victoire. Ushindi katika ushindi ingine. De réussite en réussite. Kuweza na kuweza tena. Parce que vous avez la wani foi. Huko na imani. Et une personne qui a la foi, na kule kuna imani, il ne peut pas échouer. Hawezi kushindwa. Il ne peut pas perdre. Hawezi kupoteza. Parce que le saint prophète dit, un véritable chrétien Mukristo ne connaît pas la perte. C'est pourquoi tel que vous êtes, quand vous travaillez, travaillez pour gagner, travaillez pour réussir, travaillez pour aller de l'avant, n'acceptez pas la perte dans ce que vous êtes en train de faire. C'est la parole du Seigneur. C'est pourquoi je vous avais dit, prenez Dieu Mungu par ce qu'il dit. Kupitia bile konasema. Amen. Amina. Prenez Dieu par ce qu'il dit. Umchukue Mungu kupitia maneno yake. Quand Dieu dit quelque chose, wakati Mungu anasema kitu, prenez-le par cela. Umbambie kuile maneno. Toi tu m'as dit, we Mungu jorgenesea, Dieu Christo ne connaît pas la perte. Apote zake. C'est ta parole. Ni neno yako. Ce n'est pas moi. Aina mie. C'est toi. Ni weye. Moi je toi. Mie longu mina mini. Amen. Amina. Et tu ne perdras jamais. Apoteza kamwe. Même s'il semblait que tu as perdu, il est le Dieu de la restauration. Quand tu les prends par ce qu'il a dit, il doit restaurer. Pourquoi regarder? Mon frère Evans avait perdu son véhicule. On a volé cela. La madame dit qu'il est venu au tabernacle. On a prié. On a saisi l'agent de Dieu. Dieu le Saint-Esprit. Ils ont envoyé le Saint-Esprit. Va saisir le voleur. Que le véhicule soit ramené. Le chauffeur, là, le voleur, était en train de rouler. Alikuwa kiongoza ile gari. S'imaginant, mukuwaza, une fois gagné de l'argent, atapata pesa mkuzisha. À un moment donné, wakati moja hivi, le policier de Dieu, polisi wa Mungu, le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, le saisit. Il touche son cœur. Voleur que tu es, tu vas mourir. Restitue la voiture de mon fils. L'homme dit, j'ai toujours volé. Mais qu'est-ce que je sens ici? Le frère Branham dit, il a fait le demi-tour. Il a ramené le véhicule. Est-ce que vous le croyez? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Un chrétien, il ne connaît pas la perte. Croyez cela. Prenez Dieu par ce qu'il a dit. Amen. Et la foi na imani ne connaît pas de défaite. Si vous avez quelque chose qui échoue, qui échoue, il est faux. Asema ni abongo ile. Si ça vient de Dieu, kama inatokea kwa ça Mungu, ne peut pas aller des échecs en échecs. Kushindwa na kushindwa tena. Est-ce que ça entre très bien? Yeah, tunanielewa mzuri. Oh non, Dieu m'a dit. Yeah, Mungu alinielezea. Mais tu essaies ça échoue. Unajaribu na shindwa. Tu essaies ça échoue. Unajaribu na shindwa. Tu essaies ça échoue. Unajaribu na shindwa. Ce n'est pas Dieu. Haina Mungu. Quand Dieu dit, wakati Mungu anasema, je te bénirai, mitakubariki, il doit te bénir. Anapashwa kukubariki. Amen. Amina. Amen. Amina. Prenez-le par ce qu'il a dit. Umushi
kupitia bila alisema. Tuati ati. Wao alisema. C'est pourquoi Branham n'avait pas peur de démons. Ni kwa maana Branham asikwe boka na mapepo. Quand Dieu dit va tel endroit. Wakati Mungu asema uende fasi fulani. Il arrive là. Yeye anafika fasi. Eh yes ni mzima. Ndio kama yeye roho. Yeye kwa sasa leo jana hata milele. Le démon dit mais toi qu'est-ce que tu fais ici? Mapepo anamuelezea wewe unafanya nini hapa? Il dit écoutez. Anasema sikia. Moi ici. Mi hapa. Je ne suis pas venu par moi-même. Sikulikuie mimi mwenyewe. Je suis envoyé par le Seigneur. Bwana ndio ananituma. Alors, arrêtera d'enfer. Sasa rurieni mgeena. Et les démons l'obéissent. Na mapepo ilikuwa namtii. Vous savez en Allemagne ce qui s'était passé. Unajua kile kilifanyika kwa Allemagne. Je vais en prêcher. Bwana bwana hubiri. Il y a un monsieur qui est venu. Kujamani moja alikuja. A commencé à faire des incantations. Akaanza kulakusha. Il a soulevé la tempête. Akalamusha zoruba. Il dérangeait la réunion. Akauzi mkutano. Frère Branham lui dit s'il vous plaît. Bwana sima na kuomba. Arrêtez de faire ce que tu fais. Acha kufanya bilo kunafanya. Comme n'a pas écouté. Ule mtu akusikiliza hapana. Il s'il te plaît monsieur arrête. Nakubembeleza jamani simamiza. N'a pas écouté. Akusikia hapana. La tempête. Zoruba. Ukonte davantage. Ilikuwa naongezeka zaidi. Frère Branham dit. Na Bwana anasema. Cet homme a été frappé de l'épilepsie sur place. Ule mtu alipigwa na kifuafua pale pale. On a vu seulement l'homme qui tombe. Alors Abraham toi n'anguko. Il a ramassé les vannes et jeté là. Azam mulokote mwenye mkamtupe kule. Il est le même Dieu. Yeye ni ule Mungu moya moya. C'est pourquoi même quand vous travaillez. Ni kwa maana hata wakati unatumika. Sachez que travailler c'est la parole. Dieu asema kutumika ni neno ya Mungu. C'est Dieu qui vous a dit de travailler. Ni Mungu ndiye alikueleza asema tumika. Ce n'est pas le diable. Haina shetani. Quand tu travailles wakati unatumika. Uko natimiza neno ya Mungu. Et tu dois dire à Dieu ce que je fais c'est ta parole. Hii kazi niku nafanya ni neno lako. Donne-moi la bénédiction. Na unipatie baraka mwikaji. Atakubariki. Amen. Amina. Frère Branham dit. Duba manasema. Les héros de l'Ancien Testament. Washuhudia wa agano la kale. Avaient foi. Walikuwa na imani. Il la mettait en action. Walikuwa natumikisha ile imani ile. La foi que vous avez ce n'est pas à garder. Imani ile uko nayo haina ya kuchunga. Vous devez le mettre en action. Kuitumikisha. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Si tu es kako na nyelewa mzuri. Et frère madame dit ils sont vos modèles. Na nduba masema wao ni mfano yenu. Eh bien nous avons la foi. Tuko na imani. Mais walakini vous ne voulez pas la mettre en action. Amupende kutumikisha ile imani. Soyez porté au loin. Mwe mwende mbali. Par le puissant du Saint-Esprit. Kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. C'est ce qu'il dit dans la foi en action. Kila anasema muimani katika matendo. Paragraphe 59. Fungaki ya 59. Mettez votre foi en action. Tumikisheni imani yenu. Utilisez votre foi. Mutumie imani yenu. Dieu ne vous a pas donné la foi. Mungu akumipatia imani. Pour que vous puissiez aller les garder. Jumka ichunge. Frère Branham dit même l'argent. Nduba masema ta franga. Je vous donne c'est pour travailler avec. Utia mwakiba. Tu ne les gardes pas dans vos poches. Atmo sichunge mfuko yako hapana. Il dit ayez la foi. Asema kuwa na imani. Vous devez avoir la foi. Unapasha kuwa na imani. Qui amène le diable à se soumettre. Ile na msukuma shetani akwe mutiifu kwako. Amen. Amina. Comme celle qu'avait la femme à la perte de sang. Sa vile bilikuyaka na ule mwanamke akwa napoteza kadamu. Cette femme là. Ule mwanamke. Elle avait une maladie incurable. Alikuwa na magonjwa ile akwa na malizika. La Bible dit qu'elle avait tout perdu. Biblia inasema alipoteza franga yake yote. Mais. Walakini. Elle avait une foi. Alikuwa na imani. Qui a amené le diable à se soumettre. Ile ilimsukuma shetani ati. Amen. Amina. Et c'est la foi que vous avez. Nani imani ile woko nayo. Vous savez dans chaque combat, mnajua mkila vita, chacun a toujours ce qu'on appelle une prise de finition. Kila mmoja anakalaka na ngumi ile unachungia sasa nikipika hii kunaisha. Et c'est dit dès que je donne ceci. Voilà na pika tu hii. Il va se soumettre. Atachia bukonzi pale. Et le diable aussi. Na shetani pia. Quand vous le combattez. Wakati kuna mukombanisha. Et c'est ce qu'on appelle une prise de soumission. Wana ile wanasema hapa nikimupika hii ataacha vita.
question, c'est la foi. Na ile ya kumumalizisha vita ni imani. Quand vous avez la foi, wakati uko na imani, le diable lâche prise. Shetani atapita mbio. Regardez comme cette femme angalieni sasa yule mwanamke qui avait un bébé. Ule bwana mwanamke, un enfant dont la jambe n'avait jamais touché le sol. Ule mkulu yake ilikuwa mfupi haikubambaka pa budongo. C'était toujours comme ça. Ilikuwa tu yulu hivi. Ils ont amené l'enfant à frère Banam. Bakamletea ule mtoto ndugu Banam. Frère Banam. Ndugu Banam. Que vous pouvez prier pour notre enfant. Et tu unaweza kuombea kwa mtoto yetu. Frère Banam dit, je les ai posé la question. Ndugu Banam ni bauliza. Voulez-vous que j'aie la vision pour votre enfant? Unapenda nipate ono juu ya mtoto wenu? Ils ont dit non. Bakasema pana. Prie seulement. We omba tu. Et frère Banam a prié. Nandu Banam aliomba. Il est parti. Bakaenda. Et après quelques temps, rien n'est arrivé. La jambe était toujours courte par rapport à l'autre. Et par après, ils reviennent encore. Frère Branham, est-ce que pouvez-vous avoir la vision pour notre enfant? Frère Branham le pose la question. Voulez-vous cette fois-ci que j'aie la vision? Si je vous ai bien saisi, la dame dit, attendez frère Branham. Tout ce qu'on veut savoir est-ce la volonté de Dieu que notre enfant soit comme ça? Frère Banam dit non. Je ne crois pas que ce soit la volonté de Dieu que votre enfant soit infirme. Et la dame dit, c'est fini frère Banam. N'ayez pas de vision. C'est ce qu'on voulait savoir. Ils sont rentrés avec l'enfant. Et frère Banam dit, quelques jours après, la jambe s'est élargie. L'enfant est devenu normal. Est-ce que vous le croyez aussi? Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous ayez des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Amen. Amina. Et tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu, ne l'acceptez jamais. Restez avec la foi. C'est pourquoi le vendredi, je vous avais dit, montez jusqu'à atteindre le niveau où Dieu opère. Et que frère Branham dit, Dieu ne descendra jamais à votre niveau. Mais c'est vous qui devez monter jusqu'à atteindre le niveau de Dieu. Fais comme cette dame. Billy, est-ce que je peux avoir la carte de prière? Il dit non, je n'en ai pas. Attendez un peu, je vais demander pour toi. Léo, est-ce que tu as une carte de prière? Non, je n'en ai pas. Billy revient. Il dit, maman, demain, je vais garder pour toi une carte de prière. Et la dame dit, merci chérie. Elle est montée au balcon jusqu'au deuxième balcon. Elle est restée là-bas. Frère Branham dit que cette dame-là, elle est montée jusqu'à atteindre le niveau où Dieu était en train d'opérer. Et Frère Branham qui discernait, qui priait pour les malades, à un moment donné, il s'arrête. Il dit, toi, la dame au deuxième balcon, ce n'est pas toi qui es malade, mais tu pries pour ton mari qui a l'oreille qui n'écoute pas. Reçois sa guérison. Il est déjà guéri. Il est déjà guéri. Et frère Branham dit, quand la dame rentre à la maison, elle trouve le mari au niveau du portail en train de faire des bruits. Il dit, c'est quoi? Il dit, chérie, je suis guéri. L'oreille est en train d'écouter maintenant. Et frère Branham dit, la dame des couleurs qui était là, il dit, mais si tu as exaucé cette blanche, moi, il ne peut pas me rejeter. J'ai aussi un problème. Ce n'est pas moi, mais c'est ma sœur qui est folle.
Dieu peut faire quelque chose. Et Frère Branham dit, toi là dada, reçois la guérison de ta sœur qui est folle. Et le lendemain, quand le médecin arrive, il trouve la fille au grillage en train de pleurer. C'est quoi? Faites-moi sortir d'ici. Je vais sortir. Mais tu es folle. Non, je ne suis pas folle. Je suis guéri. Et la fille est sortie. Elle a pris le téléphone. Elle appelle sa soeur. Je suis guéri. Sa sœur dit demain. Et il dit hier, yeah, il y a eu la parole qui a été déclarée du haut de l'estrade pour ta guérison. Venez témoigner. Il est le même Dieu. Quand la parole est déclarée du haut de l'estrade, croyez et vous serez guéri. Croyez et vous serez sauvé. Croyez, vous serez délivré. Il est le même Dieu. Il peut faire des grandes choses. Élevez-vous dans la foi. Quittez l'incrédulité. Atteignez le niveau où Dieu agit. Amen. C'est pourquoi quand vous venez dans l'église, ne restez pas là. Non, faites l'effort de dégager la foi. Amen. Amina. Que la foi la monte. Imani ile ipande, que cela atteigne le niveau. Ifike mkipimo où Dieu opère. Mule Mungu anatumikia. Dès que vous touchez ce niveau-là, la chose est déclarée. Unaisha kitu ile natangaziwa. Sans carte de prière. Bila hata kibali ya maombi. Unaweza kupokea. Tout ce dont tu as besoin. Yote ile uko nayo lazima. Amen. Amina. Écoutez ce que le prophète dit. Sikiliza kile nabii anasema. Dans la foi c'est notre victoire. Imani ndio ushindi yetu. Paragraphe 55. Kifungu yake 55. À 56. 56. Il y a-t-il ici des gens qui se retrouvent à Chicago? Hapa kuko watu wanapatikana hapa Chicago. Ce soir là et qui ont entendu cette dame témoigner. Na wale walisikia ule dada anashuhudia. Ils levaient la main bien. Muinue mkono. Oui, regardez partout ici. Atamwangalie nuko kote huko. Bien sûr. Basi hakika. Qu'il y en avait. Il y avait là une dame qui avait été dans un hôpital pendant toutes ces années. Une caisse. La foi, c'est la victoire. Eh bien, si ce même Jésus est ici ce matin, si donc je peux libérer ma foi pour qu'elle s'empare de sa promesse selon laquelle il reviendra immédiatement pour faire la même chose. Si vous pouvez libérer votre foi pour qu'elle s'empare de la promesse, s'il fait cela à chacun de vous qui est dans l'auditoire, croirez-vous qu'il est toujours vivant? Il dit est-ce cela ce qu'il fit lorsqu'il était sur la terre? Est-ce là ce qu'ils firent les apôtres? Paul fixa le regard sur l'homme. Et ainsi de suite. Et quand Jésus parlait à la dame au puits, quand la dame a touché son vêtement et qu'elle est rentrée s'asseoir, il se retournait et a dit: qui m'a touché? Il ne savait pas qui l'avait touché. Alors, il a dit: qui m'a touché? Tous nièrent l'avoir fait. Il a dit: mais je me suis affaibli. Une vertu est sortie de moi. Et il a regardé tout autour jusqu'à ce qu'il vit la dame qui avait fait cela. Elle avait une perte de sang. Et il lui a dit: ta foi t'a sauvé. Ta foi a vaincu. Il dit: qu'est-ce? Il n'a jamais dit: je t'ai guéri. Il a dit: ta foi t'a sauvé. Amen. Amina. Il dit: qu'avez-vous fait? Vous aviez la foi qui a triomphé, qui a soumis, qui a écrasé tous les doutes. Car elle s'était dit en elle: si je peux toucher son vêtement,
serait guéri. Il dit Jésus avait au point, point. Elle devait prendre cela par quelque chose qu'elle avait conçu dans sa propre pensée. Voici sa propre parole. Elle a déclaré qu'il serait ici aujourd'hui et qu'il ferait ce qu'il avait fait en ces temps-là. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Les œuvres que je fais, vous les verrez aussi, et même davantage, puisque je m'en vais à mon Père, et vous en ferez davantage. Et tenez-nous, tenez. Nous vivons dans ces derniers jours. Jésus est ici. Amen. Nous vivons dans ces derniers jours. Jésus est ici. Cette dame, avec sa maladie, elle a conçu quelque chose dans sa pensée qui a amené le diable à se soumettre. Il dit, c'est vrai, j'ai été soigné. J'ai pris de médicaments. Mais rien n'est arrivé dans ma vie. Il dit, mais si je touche les bords du vêtement du Messie, je serai guéri. Qu'est-ce que le vêtement avait-il apport avec sa guérison? Amen. C'était la foi qu'elle avait. Et quand vous faites quelque chose par la foi que vous avez, Dieu vous donnera toujours la victoire. C'est pourquoi un véritable chrétien, il pense toujours à la résolution. Il ne laisse pas tomber les bras. Il ne croit jamais dans l'échec. Une telle chose est arrivée. On a fait ça, ça a échoué. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Que le diable se soumette. Voilà un chrétien. John Christo. Et cette dame, elle a compris une chose. Que si je l'ai touché, je serai guéri. C'est pourquoi vous verrez que Jésus, quand la femme le touche, il pose la question. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Or, il y avait beaucoup de mecs. Et beaucoup de mecs là, c'était des touches. Ça ne faisait rien. Mais la femme qui avait la foi, quand elle touche, le diable se soumet. Amen. Tu peux aussi amener le diable à se soumettre. Tu peux écraser les doutes. Frère Banam dit que la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas un lit fleuri des anges. La vie chrétienne, ce n'est pas la pique-nique. Où tu peux venir, tu dors comme tu veux, tu tournes. Tu penses que les choses vont se faire de soi? Non! Tu dois combattre! Tu dois avoir la pensée basée sur ce que Dieu a dit et prendre ton problème, l'aligner sur la parole et attendre à ce que la chose arrive. Ne manquez pas de cibles. Vous savez, quand nous venons à l'église, c'est pour que notre vie soit réglée. Il y a beaucoup de vies déréglées. Cela doit être ramené pour toucher la cible. C'est pourquoi, si vous voulez arriver à ce que vous cherchez, ayez la foi. La foi a toujours vaincu. Vous connaissez l'histoire de Tantine Jemima. Cette femme qui ne mettait pas au monde. Elle a eu qu'un seul fils. Elle a commencé à élever l'enfant, mon fils. Suis la voix du Seigneur. Ne suis pas ces garçons-là. Ne te plonge pas dans la délinquance. L'enfant n'a pas compris.
commencé à se méconduire jusqu'à tel point qu'il a attrapé la maladie vénérienne. Et l'enfant était en train de mourir. On l'a traité. L'enfant commence à prier, à pleurer. Maman, il fait noir. Il fait noir. Il fait noir. Il était en train de sombrer, en train de mourir. La dame regarde l'enfant. Seigneur, je suis comme la tsunami. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Je n'aime pas le voir mourir pécheur. Sur la terre, n'as-tu pas Élie? Elle savait que Dieu avait promis. Je vous enverrai Élie le prophète. Élie le prophète était sur la terre. Et la dame dans toutes ses difficultés. Il est pour la femme tsunamite. Il a fallu Élisée. Et pour mon enfant, j'ai besoin d'Élie pour le salut de mon enfant. Et frère Branham était dans un autre état. Il prend l'avion. L'avion a commis l'erreur de passer dans l'état où était cette femme. Dieu dit, Élie, tu es cherché sur la terre. Descends. Il a créé mauvais temps. C'était la fin de cette femme. Il y a eu mauvais temps. Il y a eu des tempêtes. Le pilote a dit, on ne peut pas passer. Nous devons dormir ici. Mais demain, très tôt matin, la limousine viendra vous prendre. Et quand on l'amène à l'hôtel, la nuit là, Dieu dit à la femme, place-toi à la porte. Quelqu'un descendra là. Élie viendra. Amen. Et frère Branham qui écrit des lettres, il dit, je n'ai pas les poster cela. Le Saint-Esprit vient. Prenez telle direction. Il dit, Seigneur, la limousine doit venir me prendre. Il dit, toi, allez-y. Amen. Continue à descendre. Continue à descendre. Il dit, mais c'est le lieu de plus requiner. Ici, on peut me faire du mal. Il dit, continue à descendre. Et quand frère Branham marche, arrive quelque part, il dit, salut, pasteur. Et frère Branham dit, oui, salut. Je suis Branham. Je prie pour les malades. Il dit, je ne connais pas le nom de Branham. Mais comment tu as su que je suis pasteur? Il dit, tu connais l'histoire de la femme qui avait un enfant dont Élie avait donné la guérison. Il dit, oui, je connais. Je suis cette sorte de femme. J'avais besoin de quelqu'un. Et Dieu m'a dit, place-toi à la porte. Je cherchais Élie. Et quand frappé la mort, il prie pour l'enfant. L'enfant a été guéri. Il a été sauvé. Et quand frère Branham arrive, il trouve que l'avion était toujours sur la terre. Qu'est-ce qui a retenu l'avion? La foi de cette femme. Et laissez-moi vous dire, Dieu est capable de changer la saison. Dieu est capable de créer un mouvement pour que ton problème ait la solution. Amen. Amina. Il l'a fait. Il peut encore le faire. Il le fera encore. Et il y a seulement la foi. Et vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Il est le Dieu glorieux. La foi en action. Imani katika matendo. Paragraphe 64. Kifungu ya kastina ine. Quand cette grande armée de rachetés wakati le majesi kubwa walio se tiendra autour du trône de Dieu, itasimama kando kando ile kiti ya agitant les rameaux, mukutingiza matawi blanc mweupe, les rameaux dans leurs mains,
et les robes blanches lavées dans le sang de l'agneau. Nous raconterons l'histoire sur la façon dont nous avons vaincu. Chacun aura une histoire sur la façon dont il a vaincu. Quand nous irons de notre côté, chacun donnera son histoire. C'est moi ici, Popol. J'étais sur la terre. À un moment donné, les choses ont bloqué. Et vous savez comment j'ai remporté la victoire? Mon Dieu est merveilleux. J'ai fait ce qu'il a dit. Et j'ai eu telle victoire. C'est pourquoi chacun de vous doit avoir l'histoire à raconter ces jours-là. Comment tu as vaincu? Comment tu as remporté la victoire? Il est temps maintenant. Dieu nous a envoyé sur la terre pour que chacun puisse écrire l'histoire de ma vie. Amen. Et vous savez, le prophète dit, Dieu a donné chacun de nous une vie. Maisha. Et nous devons la vivre. Na tunapasha kuishi ile maisha. La vie que Dieu vous a maisha donné. Ile Mungu alikupatia. Vivez cela. Ishi ile maisha. Amen. Amina. N'acceptez pas ce que le diable vous impose. Usikubali kile shetani anakupatia. Refusez certaines choses. Katala bingine. Non, ça non. Sema hapana, hii hapana. Ça je ne peux pas l'accepter. Siwezi kuikubali. Amen. Amina. Mais faites comme Georges Carter. Fanyeni kama Georges Carter. Il est resté attaché là. Alibakeme kulambatana pale. Et Dieu est la guerre. Na Mungu alimponesha. Amen. Amina. Il est le même Dieu. Yeye ni ule Mungu moja moja. Il dit comment avons-nous vaincu? Asema tuliwina namna gani? C'est par le sang. Ni kupitia Adam. De l'agneau. Ya mwana kondoo. Et par son témoignage. Na kupitia ushuda yake. Alléluia. Asema alléluia. Quel est leur témoignage? Ushuda yao ni nini? Jésus vit. Yesu anaishi. Oh, que cela retentisse. Eh, il est li etena. À travers les montagnes. Mu milima. Jusqu'aux collines. Baka na mabonde. Et cela annonce le message partout. Na ile tangaze ujumbe pale. Jésus vit. Ya kwamba Yesu yuko naishi. Il n'est pas mort. Ana mwenye kufa. Mais il est vivant. Walakini eko mzima. Je suis très heureux. Niko mwenye heri kabisa. De me tenir ici. Ya kusimama hapa. Dans l'une des grandes villes du monde. Mmoja matao ni. À Chicago, Illinois. Chicago. Et de soutenir que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Alifufuka kati ya wafu. Et par sa grâce. Walakini kwa neema yake. Je peux vous le prouver. Amen. Naweza kumhakikisha. Alors mettez fin à votre péché. Sasa mwache zambi yenu. Ôtez les idoles de vos cœurs. Ondoweni sanamu mu mioyo zenu. Et croyez au Dieu vivant. Na aminieni Mungu mzima. Et recevez les bénédictions. Na pokeyeni mabaraka. Pour lesquels il est mort. Kwa ajili ya ile alikufa. Et qu'il vous a réservé. Na alimichungia. Mettez votre foi d'action. Utumikishe imani yenu. Chacun de nous ici. Dieu lui a réservé des bénédictions. Dieu lui a réservé quelque chose. Ne commettez pas l'erreur de quitter la terre sans pourtant palper, kuonja, et jouir na kufurahia de ces bénédictions ile mabaraka que Dieu vous a réservé. Ile Mungu alikuchungia. Maintenant, pour accéder à cela, alafu njupate ile mabaraka, mettez fin au péché. Maliza maisha ya zambi. Ôtez les idoles de votre cœur. Ondoa sanamu mu moyo yako. Les idoles. Masanamu. Jusqu'à ce jour. Baka na siku za leo. Il y a des gens qui confessent croire le message. Wewe na akiri ya kwamba wanaamini ujumbe. Sio anko na nikutibu. Kwa lakini wachungaji mabisela ya makabila. Kwetu. Mukia kwetu. Mukia kwetu. Sasa hivi huyu anafanya hivi. Mukia kwetu kule. Inapasha watu batuipikie. Sasa ule mwana huyu bibi anafanya hivi. Kwetu ni lufu. Naweza kufua. Paya. Mpagano. Mets fin au péché. Maliza maisha ya dhambi. Ôtez ces histoires. Ondoa le mavitu. Ce sont des idoles. Ni masanamu. Celui qui a donné ces lois est mort. Ula rilete le masheria alishakufa. Mais celui qui vous a donné la parole est vivant. Lakini ule alikupatia neno eko mzima. Obéissez à celui qui est vivant. Umutii ule
yeko mzima. Pas à celui qui est mort. Apana ule alishakufa. Oh non, mon ancêtre. Eh, apana nkambo yetu alisemaka. En enfer. Kambo yako mugeena. Il est déjà mort. Alishakufa, alishakuoza. Et toi tu es là en train d'observer ce qu'il t'avait. Na wewe bila nkambo yako alisemaka. Mais c'est que Jésus t'a dit tu m'écoutes pas. Bila Yesu anakuelezea upende kubishikia. Tu es un païen. Wewe kumpagano. En quoi tu es chrétien? Uko mkristo munini. Un chrétien c'est celui mkristo qui suit ni les commandements du Seigneur. Ambri ya Bwana. Qui vit comme Jésus. Eko naishi kama Yesu. Qui fait les choses selon Jésus. Natenda matendo kama Yesu. Et le diable a donné à certains gens le courage. Na shetani alipatia watu wengine bidii. Diabolique non même Jésus avait chez eux. Ata Yesu alikuwa na kwabo. Nous aussi nous avons chez nous. Na shetu kuna kwetu. Arrêtez cela. Acheni bile. Ôtez. Ondoeni. Les idoles. Masanamu. Mettez fin. Mumalize. Au péché. Maisha ya dhambi. Dès que vous mettez fin au péché. Wakati unamaliza maisha ya dhambi. Et que vous enlevez les idoles. Na unaondoa masanamu. Les bénédictions. Mabaraka. Que Jésus vous a réservé. Ile Yesu alikuchungia. Il vous donne. Atakupatia yo. Amen. Amina. Amen. Amina. Il est vraiment un bon papa. Yeye ni baba mwema. Vous savez, un bon papa. Unajua baba mwema. Quand lui commence à vivre. Wakati anaanza kuishi. Il fait les choses de la manière à épargner ses enfants le même souffrance que lui a endurée. Yeye anafanya vitu akusema batoto yangu bashiteswe vile mili kwa na teso pani kwa mtoto. Il peut commencer à investir. Anaanza kutia akiba juu ya batoto. Les enfants ne connaissent. Batoto abajue kitu asema baba unabawekea akiba. J'achetais la parcelle à droite. Il met les noms des enfants. Anandika jina batoto, kila mpango, kila mtoto na jina yake. Tout ça pourquoi? Yote ile kwa nini? Si moi pour manger. Kama mie njuu ya kula. J'étais un pouspousseur. Nilikuwa na sukuma puspus shario. Les enfants ne doivent pas pousser les shario. Batoto wangu abawezi kusukuma shario. Il réserve. Eko na bachungia. À un moment donné. Wakati moja hivi. Quand il voit qu'ils ont atteint la maturité. Wakati anatuma banakomea. Toi, qu'est-ce que tu peux faire dans la vie? Telle chose, telle chose. Prenez ces numéros. Allez-y là-bas. Il y a ton nom là-bas. Jina yako kule. Ça, c'est pour toi. C'est ce que yako. Papa a réservé. Baba pour toi. Yako. Toi, weye. Papa a réservé telle chose. Baba papa a réservé telle chose. Weye, baba si là, de parcelle, telle parcelle, c'est pango pour toi. Telle, c'est pour toi. Ile fulani, na telle, yako. C'est pour telle. Telle, c'est pour telle. Ile na yone ya ule. Tout ça, yote ile. Il avait réservé arichungia pour ses enfants. Batoto yake. Et quand les enfants na wakati batoto font la joie de leur père, banaona, banakuwa furaha baba yako. Le père est dans la joie baba na yeko mfuraha de leur donner ya kubapatia ile. Tu vois, dit que le naturel ya kiasili typifie le spirituel. Naonesha ya kiro. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Il y a des choses qu'il nous a réservées. Mais pour accéder à cela, frère Branham dit, mettez fin au péché. Est-ce que je peux entendre l'amen? Ôtez les idoles. Et il vous donnera ce qu'il a réservé pour toi. Seigneur, Bwana, je t'ai honoré. Mikuheshimia. Je vis ta parole. Il y a de ces gens à cause de l'évangile. Uko bale kwa ajili ya injili. Naturellement parlant, mukusema mkiathili, ils ont peut-être manqué certains privilèges. Sangini walikosa mafadhili fulani. Peut-être une païenne qui vient là. Sangine mpagano mwanamke anakuja pale. Na mabilato bya yulu mekunda kumi lomo ni damu. Nishakuria ba wingi fulani. Shinona damu ya bale mishakuria. Na we kuya ni kukurie. Njoo ile mwekunda kumi lomo ni damu. Nishakuria na kuria kapa na nyonya damu. Nishakuria ba kumi. We kwa wa kumi na moja. Je vais t'amener en Europe. Tu auras une vie meilleure. J'ai des biens. Je vais te donner. Je vais à cause de la parole.
mpumbafu sana wewe. Hey, no, toi tu es stupide. Comme on disait à frère Branham. Saka mo les andu Branham. Il dit poule mouillée. Azema ki nkuku kya kolobana. Le diable dans ce langage. Shetani una misemo yake. Il a toujours utilisé le langage qui va vous pousser. Atatumia kila mara misemo ile itakusukuma. Atombe dans le péché. Wanguke muzambi. Il peut te dire le langage. Anza kueleza msemo moya hivi. C'est comme une fois là. Quand j'ai recherché encore. Ni kwa na tafuta la femme. Bibi. Je vois une sœur. Non, non, dada moja. Na zungumza na dada ule. Vous savez ce que la sœur là m'avait dit. Unajua kule dada kila inaweza shukumo. Tu me crains ou bien comment? Wewe mwenye mimi naona sasa kuna nyongopa. Ngopa unikaribie tena. Hein? Hein? Ngana zabo kilo note. Mie mishina mko yako ndio unikimbia kimbia. Vous comprenez le message? Tunasikia ujumbe vile iko. Qu'est-ce que ça veut dire? Inafia kusema nini? Montre-moi que tu n'as pas peur de moi. Unyonesha sema au nyongope tunichofeye. Il dit ça c'est. Haiwezekani. Elle me disait je suis vierge. Niko bikira, niko. Mère de deux enfants. Mama wa batoto bawiri bajima bikira. Il dit sœur Dieu, oui, je suis vierge. Mie una niko bikira bikira wewe. Parce qu'elle me disait frère Gédéon, attention. Ah, mchungaji wa anaweza ndugude Gédéon. Les sœurs mentent beaucoup sur la virginité. Ke bange, badada banadanganyaka sana mambo bikira ni berevu mudanganya. Je suis vierge. Niko bikira. Et qui m'a sauvé? Nani alinyoko? Son patron. Chef yake, bosi wake. L'homme là, j'ai appris que c'est un serviteur. Nishika sema ule ni mtumishi wa Mungu. La fille là. Sasa ule binti ule. Elle est mère de deux enfants. Ni mama batoto bawili. Ah? Ngasema njo vile. Le diable vous amènera toujours. Il va vous pousser dans le péché. Par les jeux de paroles. C'est pourquoi, frère, dès que vous êtes dans la fréquentation avec une soeur, la soeur commence à dire oh, tu me crains. Attention. Ah, keba. Moi je te crains, moi. Je vais te démontrer. Tu auras des problèmes. Faites tout ce que vous pouvez faire. Mais n'allez pas sur le terrain de la répentance. C'est très difficile là-bas. Dieu, répands-toi. Il y a des choses. Là, c'est comme dernièrement, j'avais vu un frère. Oh non, je suis tourmenté par un démon. J'ai un démon là. Quel démon, frère? Oh non, je suis venu arranger ma vie. Tu me garages ta vie. Oh non, il y a un démon qui me tourmente. Tu te convoites. Tu te convoites quoi? Au nom des femmes. Oh, banamuki. Ah, ok. Et après, c'est fini. Sasa, kisha, kunaisha. C'est fini. Ah, kunaisha. J'ai dit, tu es materne. Nga, c'est kubongo. Telle chose. Ah. Mambo fulani. Et quand on arrange tout. Parlez-moi la tengeneza. Niko tengeneza biote. Il y a des choses que tu vas sauter. Kuko bintu bilo tanja kuluka luka. Et c'est comme ça avec le diable. Na njo vile na shetani. Il va vous pousser dans quelque chose. Ata kuangusha mambo mwa hivi. Amen. Amina. Mais il y a des enfants de Dieu qui ont fait tomber tous ces privilèges-là. Que le diable les présente. Je peux faire de toi ceci. Je peux faire de toi ceci. Il dit oui, si je vais le faire. Mais quelle sera ma relation avec Dieu? Il laisse. Il y a même des gens qui peuvent les regarder. Oh non, oui, une bomba. Mais il pouvait être déjà aux États-Unis. Après avoir pris position de la parole, dites à Dieu, donne-moi ce que tu avais réservé. Amen. Amina. Ce que Dieu réserve, il vous le donne et ça vous propulse dans la vie. C'est comme les enfants qui peuvent être là, il a hérité par exemple la tripe de son père.
et l'argent que son père a laissé. Il ne vous dira pas que non, j'ai vendu des tomates pour avoir ça. Non, mais lui, il monte déjà. Il commence la vie au niveau où son père l'a propice. Je ne sais pas si ça entre très bien. Dieu a toujours des choses qu'il a en réserve pour chacun de vous. Mais pour accéder à cela, mettez fin au péché. Ôtez les idoles. Est-ce que vous m'entendez? Et dès que vous faites cela, il vous les donne. Amen. Amina. Et tu peux être là en train de régner. Vous savez, c'est comme les gens qui sont peut-être jaloux. La femme peut hériter la chose que son père l'a laissée. Peut-être une très belle Jeep. Parce que lui, dans sa vie, a déjà acheté un véhicule. Les choses de son père, il gonfle. Les choses de son. On pensait que tu pouvais dire que non, les choses de son. Mais les choses de son. Et l'enfant là a le sang de son père dans ses veines. Il se réjouit sans la honte. Quand tu vois un enfant avec l'histoire de son père, il a la honte, il est suspect. Ya baba yake kuna shikashiki haya, eko hatari mtoto. Il est suspect. Eko hatari kabisa. Comment les biens de ton père? Mari ni ya baba yako. Qui a déjà vu un enfant qui prend par exemple le téléphone de son père? Na bamba simu ya baba yake. Et il a honte de manipuler ça. Na anaanza kushikia ya kutumia le simu ile ya baba yake. Moi je vois des fois avec Abigail là, elle peut prendre le téléphone. Abigail, elle anaanza ba simu ya. Donne-moi le téléphone, il me dit non, attends d'abord. Abigail, le téléphone, ça, on va jambele. Qu'est-ce que tu veux faire avec le téléphone? Non, attends d'abord. Abigail, on a fait, Baba, on a fait, elle sait que c'est pour son. Anajua sema ni simu ya baba yake. Et vous avez un père, n'est-ce pas? Na mwe mungu na baba, sinivile. Est-ce que vous avez un père? Eti mungu na baba. Est-ce que Jésus est votre père? Eti Yesu ni baba yenu. Réjouissez-vous avec les biens de votre père. Que les gens de ce monde vous regardent, qu'ils vous convoitent, qu'ils disent, ils gonflent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est la richesse de leur père. Notre père avait investi. Il a réservé pour nous. Et nous devons nous réjouir avec cela. Amen. Amina. C'est comme ça que vous devez vous comporter. Amen. Amina. Et vous verrez la gloire du Seigneur. Parce que Dieu ne ment jamais. Tout ce qu'il promet, il l'accomplira. Et vous savez, le saint prophète, il dit, si la promesse de Dieu est vraie là, elle est vraie ici. Amen. Amina. C'est ce qu'il dit dans la foi de 56. Au paragraphe 33. La promesse ne peut pas être vraie là-bas et ici être fausse. Non. Si elle a été vraie pour Abraham, elle doit être vraie aussi pour nous. Amen. Amina. Oh, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Je ne sais pas si vous me saisissez très bien. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ces choses. Amen. Amina. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant. Il n'a jamais manqué de faire quoi que ce soit pour ses enfants. Amen. Amina. La foi en action. Paragraphe 30. Je vais lire aussi 34 à 36. Il dit, mais Noé, il agissait avec crainte, sachant que la destruction allait venir. Et il a construit une arche parce que sa foi reposait sur la parole éternelle de Dieu. Peu importe combien les gens soutenaient,
que c'était impossible. N'importe combien la science avait sondé la globe et a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de naufrage et de nuages là-haut, que la pluie ne tomberait. Si la parole de Dieu dit qu'il va pleuvoir, c'est à Dieu de frayer la voie à la pluie. Si Dieu l'a dit, c'est réglé. Ce qu'il nous faudrait faire, c'est ce que ce petit groupe ici devrait faire ce matin. Prenez Dieu par ce qu'il dit. Ne changez pas d'avis à cause de l'apparence. Est-ce qu'un chrétien peut dire amen? Prenez Dieu par ce qu'il dit. Ne changez pas d'avis à cause d'apparence. Il dit ne raisonnez pas là-dessus. Si vous n'avez que la foi intellectuelle, vous raisonnerez sur la parole de Dieu. Vous chercherez à raisonner là-dessus. Disant, eh bien, que je voie. Eh bien, le médecin a dit que je ne peux pas me rétablir. Et si le médecin a dit cela, cela devrait régler la question. Ça, c'est la raison. La foi ne raisonne pas. La foi croit. Cela en dépit de tout. Dans la foi, il n'y a pas de raisonnement. Il dit, si donc vous n'avez qu'une conception mentale de la Bible, si vous dites, eh bien, je crois cela parce que je l'ai lu, il faut d'abord que Dieu vous le révèle dans votre cœur. Nul ne peut appeler Jésus le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit traite avec le cœur. Si donc quelqu'un croit véritablement cela dans son cœur, il n'a pas peur de soumettre cela à l'épreuve. Mais si vous le faites juste mentalement, vous raisonnerez là-dessus, disant, eh bien, je ne pourrais pas faire cela. Ils peuvent faire cela. Celle-ci peut avoir fait cela. Peut-être qu'elle se rétablit. Mais je ne sais pas ce qu'il en est de moi. Mais si vous avez réellement établi votre foi sur la parole éternelle de Dieu et qu'elle se trouve au fond de votre cœur, tous les démons du tourment ne peuvent pas vous déranger. Il dit non, vous devez rester là. Je sais de quoi je parle, car je vis cela. Je vis cela à l'épreuve moi-même et je sais que c'est vrai. Comment pourrais-je me tenir ici sur l'estrade le soir et défier un auditoire de plusieurs milliards? Je me suis tenu à Mumbai, en Inde, devant 5000 personnes. Il est devant 500 000 personnes. Et je leur ai lancé un défi aux 17 religions différentes de venir sur l'estrade et de me montrer un seul signe visible d'un être surnaturel. Et je me tenais en plein milieu des athées, des incroyants, des sorciers et tout le reste qui se tenaient là par douzaines, cherchant à me jeter un mauvais sort. Et j'avais lancé un défi aussi jeu d'un aveugle. Il lui dit alléluia et Dieu lui a accordé la vie sur le champ et a changé toute la scène. Eh bien, Dieu a dit qu'il ferait cela. C'est tout. La seule chose que vous faites, Dieu l'a dit. Pour moi, c'est bien suffisant. S'il me disait qu'il serait avec moi et qu'il me aiderait dans ces choses, il le fera. Amen. Il a fait cela. 8 ans. 9 ans de ministère se sont écoulés et il le fait encore et il continuera à le faire, car il est Dieu et il ne peut pas mentir. La parole de
simplement vous regarder. Kama tu natazama, et voyez ce que la parole dit. Na unaona kile neno inasema. Amen. Amina. Et j'aimerais que ce matin, na asubia leo mina tamani, que vous regardez, mupate kutazama, que vous voyez, na muone, ce que la parole dit. Kile neno inasema. Mais sachez une chose, na jueni kitu que muna, la parole neno ya Mungu a toujours été, kila mara, chaque fois, inakuwaka, vrai. Ya kweli. Et frère Banam dit, na nduba masema, que serait-il passé nini weza kupitika, si Pharaon avait regardé dans la parole de Dieu, kama Pharaon aliweza kuangalia muneno la Mungu, il aurait changé ses attitudes aliweza kubadilisha hali zake envers Moïse mais ya Musa et le reste d'Israélites. S'il avait consulté cela, kama alichunguza et qu'il avait vu là où Dieu avait promis, na aliona fasi ile Mungu alisema, par sa parole kupitia neno yake, qu'il ferait sortir les enfants de l'Égypte, il l'aurait fait. Il aurait changé son attitude envers le peuple. Mais il était trop occupé. Il allait à l'église assurément. C'était un homme très religieux. Et il allait à l'église. Et il était un, ce que vous appelez, un croyant intellectuel, un croyant psychique, ou quoi que vous voudriez appeler. Il savait ce qu'il faisait du point de vue mental. Mais quant à avoir une véritable révélation, que Dieu tiendrait cette parole, point, point. Il dit, s'il avait eu cela, il n'aurait pas agi envers Moïse comme il l'avait fait. Amen. Amina. Et ce matin, leo, je prie que le Seigneur Wana vous donne cette révélation, que Dieu tiendrait sa parole. Yake. Amen. Amina. Vous savez, il y a une chose. Même quand vous vous dénigrez les uns les autres, c'est parce que vous ne regardez pas dans la parole avec une révélation spirituelle. Si tu peux regarder la parole avec une révélation spirituelle et que tu peux savoir que Dieu tiendrait sa parole, vous changerez d'attitude les uns vers les autres. Parce que tu peux regarder, si tu sais que Dieu a promis, il va le faire. C'est que ses frères ici, s'il continue dans la foi, il verra la gloire de Dieu. Amen. Tu changeras d'attitude. C'est pourquoi ce matin, demandez à Dieu cette révélation. Donne-moi la révélation spirituelle qui m'amènera à croire que tu tiendras sa parole. Amen. La foi, c'est notre victoire. La foi, imani, c'est notre réussite. C'est notre élévation. C'est une grande chose. Imani ni kitu kubwa. La foi, imani, amen, amina, a donné la victoire. Ilileta ushindi. Ça fait tomber les murs. Iliangusha maukuta. Ça fait tomber les rois. Iliangusha wafalme. La foi, imani, a amené ilipeleka les lions Simba à ne pas faire du mal ikose sur Daniel. Kula Danieli. Il avait la foi alikuwa na imani dans la parole de Dieu. Muneno ya Mungu. S'il n'avait pas la foi, il pouvait se rendre au roi. Laissez-moi se prosterner. Mais il a dit non. Mon Dieu qui a parlé, il s'appelle les lions de la tribu de Juda. C'est lui le véritable lion. Et ces lions auront peur de ces lions. Il est le même Dieu. Si Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur de la fournaise, parce qu'ils savaient très bien que le Dieu qu'ils adoraient, il s'appelle le feu dévorant. Et le feu là ne pouvait pas faire quelque chose. C'est pourquoi quand le feu dévorant est descendu dans le feu de la fournaise, la fournaise a perdu sa puissance. Amen. Amina. Il est le même Dieu. Il n'a pas changé. Et laissez-moi te dire une chose, que si tu peux être positif, tu verras la gloire du Seigneur. Amen. 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 Tu verras la gloire de Dieu. Et tu peux regarder le diable. Tu es menteur. Tu ne peux rien me faire. Amen. Amina. Tu parleras comme cette femme.
tout. Amenez-moi. Munilete. Devant William Branham. Munipeleke mbela William Branham. Ataka mamisha kufa. Munipeleke paka mbela William Branham. Même si tu meurs. Ataka mna kufa. Et quand on amène. Nagato amuleta. La femme. Mwanamke ule. On dit à frère Branham. Bana leza ndu Branham. Cette femme qui est morte. Unaona huyu dada huyu ashakufa huyu. Elle avait dit. Arisema mbela yekufa. Même si je meurs. Asema ataka mami na kufa. Amenez-moi. Mwa munifikishe paka. Devant frère Branham. Mbele ndu Branham. Seigneur, Bwana, à cause de cette foi, ya ile imani, rétablis-la. Umpati uponaji. La femme était guérie. Mwanamke akapona. Est-ce que vous avez aussi une foi? Eti na wewe kuna imani? Dont le Seigneur peut regarder. Ile Bwana anaweza kutazama. À cause de cette foi. Kwa ajili tu ya imani hii. Je lui donne la chance. Nampatia kile kunatafuta. La conception que nous avons, c'est comme si ce que nous cherchons n'est pas à nous, n'est pas à nous. Or, frère Branham dit, tous ceux dont vous avez besoin, c'est en vous. Biko ndani yenu. Tout ce que vous devez faire, yote unapasha c'est kufanya. S'abandonner à Dieu. Ni kujitolea tu pour que le Seigneur, Jubwana, par sa puissance, wa uwezo yake, puisse faire sortir la chose. Atoshe bile bintu biko ndani yako. Que tu le parles. Akupatie hivyo. Amen. Amina. Amen. Amina. L'église se comporte comme cette femme. Kanisa anadiongoza sawa yule mwanamke. Qui avait toujours la main tendue. Alors qu'elle avait l'enfant dans un autre pays, tu lui envoyais beaucoup d'argent. La femme pensait que c'était des photos. Elle avait beaucoup d'argent avec elle. Un jour, le service social. Mais cette femme, pourquoi elle souffre comme ça? On est venu un peu la demander. N'as-tu pas eu des enfants dans la vie? Il dit, oui, j'ai mon fils qui travaille dans tel pays. Il dit, il ne t'aide pas. Il ne m'envoie que des photos. C'est vrai. Montrez-nous un peu cela. Et quand on amène, oh maman, mais tu es très riche. Tu as beaucoup d'argent. Mais comment tu peux souffrir comme ça? C'est comme ça que l'église se comporte. L'église oublie qu'elle est riche. L'église oublie qu'elle est bien. Parce que la puissance qui matérialise les choses est en vous. Amen. Amina. Amen. Amina. Écoutez ce que le prophète dit. Toujours dans la foi en action 41. 44. Il dit, c'est ce qu'il faut. Quelque grande que soit votre foi, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Combien ont une grande foi ici? La foi que vous avez là, si vous ne l'utilisez pas, elle ne vous est pas utile. Il dit, c'est vrai. À quoi sert le Dieu de Moïse? Mungu wa Musa, atasaidia kunini? Soyez attentifs parce que c'est par là que je termine. À quoi sert le Dieu de Moïse? Mungu wa Musa, atasaidia kunini? S'il n'est pas le même Dieu aujourd'hui. Kama shina ule Mungu moya moya leo. À quoi sert un Dieu d'histoire historique? Mungu wa muhistoria, atasaidia kunini? Vous qui fréquentez l'église. Mwe bale munendaga ku kanisa. Et tout ce que votre église enseigne. Na kyote kile kanisa yenu inafundisha. C'est un événement historique. Sur le retour du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, disons que pareille chose n'existe pas aujourd'hui. Qu'il y avait la guérison dans le passé, à quoi cela vous sert-il? Il dit, ce n'est pas plus utile que de lire que George Washington, avec qui autrefois, il dit, c'est vrai, Abraham Lincoln, avec qui autrefois, selon l'histoire, Abraham Lincoln avait
vécu. Aliishi. C'est l'histoire. L'histoire. George Washington. George Washington. A vécu. Aliishi. Mais ils sont morts. Voilà qui ne balance pas. Et ils sont ensevelis. Na balizi quoi. Selon l'histoire. Lingana historia. Mais écoutez. Ça, ça ce qu'il disait. Jésus-Christ. Jésus Christ. Vit. Et qu'on a ici. Il mourit. Alikufuaka. Il ressuscita. Alifufukaka. Selon les Écritures. Kulingana na miandiko. Il est vivant. Et comme zima. Au siècle des siècles. Makarne na makarne. C'est ce que. Ni ile. Il dit, c'est ce qu'a fait Washington. Ni kile Washington alifanyaka. Vous allez croire Washington. Utamini Washington. Et douter de Christ. Namshakia Christo. Il dit alléluia. Alléluia. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Il est tout connu la zima. C'est une foi véritable. Ni ile imani ya biakwe. Et authentique. Na ya usaiye. Mise en action. Yenye bego na tumikisha. On peut venir à l'église. Unaweza kwa kanisa. Commencer à vous rencontrer. Unaanza kufasilia. Quand frère Banam était là. Wa pokani mama alikuwa. Il y a eu tant une gémiment. Kulikuwa na gémiment. L'avion a été. Ndeke wali shusha. L'enfant est guéri. Toto alipona. Quand frère Banam. Pokani Banam alikuwa hapo. Était là, vous savez. Unajua. En Afrique du Sud. Mu Afrika Kusini. Un homme qui n'avait jamais porté des chaussures dans sa vie. Kulikuwa na bilato maisha yake. Il avait des pieds déformés. Alikuwa na mikuru ya kupengana. Et il est venu. Na akakuya. Il est allé acheter un carton de chaussures. Boxi ya bilato. Frère Banam a prié pour lui. Il a porté les choses. Allez voir la bilato. C'est une bonne chose. Nikitu kizuri. Vous savez. Unajua. Il y a eu John Charit. Kulikuwa John Charit. Il était un casseur de pierre. Alikuwa kupasula maibwe. Et Dieu l'a béni. Na Mungu alimubariki. Il était devenu millionnaire. Alikuwa millionnaire wa madola. Sifa kwa Mungu. C'est une bonne chose. Ile kitu kizuri. On peut donner toutes ces témoignages. Parler sur frère Branham. Kusema mambo ya ndugu Branham. Mais si le Dieu là. Kama ule Mungu. Mais pas le même jour. Ashina ule Mungu moya moya tena leo. Ce sont des histoires. Ni maarishi. Et l'église du Dieu vivant. Na kanisa ya Mungu mzima. Ne doit pas être basée sur des enseignements historiques. Aipashe kuikiria pa mafundisho paka ya mwarishi. Si nous parlons d'un Jésus. Unajua kama tunasema juu ya Yesu. Ce n'est pas le même aujourd'hui. Sawa sawa leo. Ce n'est pas différent. Manake achane. De parler. Na kusema. De George Washington. Na mambo ya George Washington. De parler de Lumumba. Sa mambo ya Lumumba. Ya yeno mu Lumumba. Oh, kulikuwa ka Lumumba. Ya avait vraiment besoin. Mwenye alikuwa na lazima kabisa. Ya uhuru wa Kongo. Oh, Lumumba. Eh, Lumumba. Hero national. Mshujaa wa nchi wa taifa arishi njo. Lumumba yeu. Lumumba kwa wapi? Dalatom. Mukaburi. Mais notre Jésus. Voilà qui Yesu wetu. Il est vivant. Eko muzima. Est-ce que vous le croyez? Eh, tu ne amini? Notre Jésus wetu n'est pas dans la tombe. Ashina mukaburi. Il doit y avoir la différence. Unapasha kuachanisho. Car nous parlons de Jésus. Wakati tunasema juu ya Yesu. Et un homme bien vécu sur la terre. Na mutu aliishi pa dunia. La différence doit être là. Achanisho inapasha kuyako. Aujourd'hui dans beaucoup des églises. Leo makanisa ya mingi. Surtout du message. Zaidi ya ujumbe. On a bâti les églises. Balijenga makanisa. Sur un Dieu historique. Ba Mungu wa mwarishi. Il a fait frère. Alifanyaka. Alifanyaka. Il a béni John Charit. Alimubariki John Charit. Alléluia. Où est le John Charit aujourd'hui? Ba John Charit leo beko wapi? Par la foi frère. Les estropiés ont marché. On a des frères qui viennent chaque fois avec des péquis à l'église. On prêche. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus est dit. Jésus est quoi? À la fin, le frère prend ses péquis. Il est toujours vivant. Il est vivant. Les frères viennent à l'église chômeurs. Il rentre chômeur. Il est vivant. Il est vivant. Les femmes stériles viennent à l'église. Il écoute la parole. Il a béni Sarah. Alibariki Sarah. Il a béni Anna. Alibariki Anna. Il a donné à John Charity des enfants. Alors, John Charity, il n'avait pas d'enfants. Akukwaka na batoto.
batoto. À la fin, kumwisho, allez dans la paix du Seigneur. Endeni katika salama ya Bwana. Le stérile rentre à la maison stérile. Mutasa anarudia kumulango ego paka mutasa. Il revient encore à l'église stérile. Anarudia tena kanisa mkazitatu. Il rentre stérile. Anarudia eko paka mutasa. Ça c'est lisabongi. Hii ni lisabongi. Il était une fois. Kurikuyaka. Il était une fois. Arishi njo kurikuyaka. Histoire annoncée. Ni arishi njo. L'église kanisa n'est pas bâti aijengewe sur un Dieu historique. Bamungu arishi. Le principe ma kanuni sur lequel l'église est bâtie. Pale kanisa na jengewa. C'est sur la puissance. Ni pa uwezo. Sur l'évangile. Pa injili. De Jésus-Christ. Ya Yesu Kristo. Est-ce que vous aimez les prophètes? Et tu n'en peines un abîme. Il a dit. Alisama. Même quand je serai parti. Ando akati lenta kwa nilishaenda. Dieu. Mungu. N'ira pas avec moi. Ataenda pamoja na mimi. Cette colonne de feu. Lakini hii nguzo ya moto. Continuera à agir. Itaendelea na kutenda. Quand je t'ai là. Ata wakati. Et le prophète dit. Nabii anasema. Jésus. Yesu. Ce n'est pas un fait historique. Aina mambo ya arishi. Mais Jésus. Lakini Yesu. C'est un fait actuel. Ni mambo ya leo. Un Jésus au temps présent. Yesu wa hapa sasa. Voilà le Jésus que nous adorons. Yesu ule tuko naye. Je ne crois pas dans un Jésus d'histoire. Yesu mwevu arishi. Je ne crois pas dans un Jésus qui n'agit pas. Yesu latendake. Je crois dans un Jésus Yesu qui demeure le même. Ule anabakia sasa. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Hata milele. Parce que le prophète lui-même a dit. Wa atuelezea. Qu'il ne partira pas avec moi. Ataenda naye. Mais aujourd'hui, na leo, c'est comme s'il est parti avec William Branham. Na William Branham. C'est pourquoi les gens ni kwa mana watu, sont même là-bas bebo naenda atakule, aux États-Unis, Marekani, sur la tombe Bakaburi, de Frère Branham. Ya ndugu Branham. Les autres ramassent même la sable. Bengine malokota mchanga. Mchanga leo kumpembeni ya kaburi ile. Pourquoi? Dieu a nini? C'est comme si Dieu est parti avec William Branham. Na William Branham. Nous ne voyons pas Jésus. Atumone tena Yesu. Nous ne voyons pas ces dieux. Atumone tena ule Mungu ule. Soit il n'est pas réel. Ao ashina wabia kweri. Ou il est réel. Ao ni wabia kweri. Il dit. Il dit. Anasema. Si cet ange du Seigneur. Kama uyu malaika wa Bwana uyu. Parce que Frère Branham dit. Njunduba manasema. Il chasse les démons. Uyu malaika anafukisha mampepo. Il donne de l'onction aux prédicateurs. Anakaburiaka wa ubiri upako. Il dit si cet ange du Seigneur kama huyu malaika wa Bwana n'accomplit pas atimize les œuvres de Christ. Matendo ya Kristo. C'est un faux. Ni malaika wa bongo. Amen. Amina. Amen. Amina. Est-ce que le prédicateur prêche sous l'onction? Eti ba ubiri bia kona ubiri chini upako. Si le prédicateur prêche avec onction. Kama mubiri bia kona ubiri na upako. C'est-à-dire les démons. Mana yake mampepo. Ne peut pas rester. Aiwezi kuzimpa. Sur les enfants de Dieu. Ndani ya batoto ya Mungu. Est-ce que Frère Branham dit? Kwani ndu mama nasema? Quand le prédicateur. Wakati mubiri. Prêche avec l'onction. Ana ubiri na upako. C'est cet ange là. Ni huyu malaika huyu. Et cet ange là. Na huyu malaika. Il s'occupe des démons. Eko na malizana na mampepo. Est-ce que vous le croyez? Ye tunaamini. Laissez-moi vous dire. Que s'il est rayé. Mampepo bia kweli. Maintenant même. Sasa hapa. Que toutes les démons. At mampepo. Qui dérangeait ta vie. Na uzi maisha. Puisse rentrer en affaire. Ikate kutoka. Est-ce que vous les croyez? Et tu n'es amini. Est-ce que vous croyez ce que je dis? Et tu n'as mini qui a ni qu'on a saman. S'il est rayé, Kameko akweli, il ne doit pas être là. Apache qui a coulé. En train de venir à l'église. Et tu n'as qu'on a wakalisa. Avec des problèmes. Na mamambo. Rentre à la maison. Waluria kumulango. Avec des problèmes. Na mamambo. Je ne crois pas. Yesha mini. Dans un Dieu pareil. Mungu wa vile. Mais Dieu que je crois. Wala kini ule Mungu ni mini. Dieu. Ni Mungu. Qui descend. Ule qu'on a chuka. Qui confirme sa parole. Na kikisha neno lake. Il est le même. Eko sawa sawa. Hier. Jana. Aujourd'hui. Leo. Éternellement. Na
milele. S'il est le même aujourd'hui, leo, que tout ce que vous avez yote ilo comme problème comme matatizo, trouve la solution. S'il est le même comme que les affaires ba ne marchaient pas, que cela marche. S'il est le même comme que les femmes stériles conçoivent. S'il est le même comme que les hommes perdus soient sauvés. S'il est le même comme que les malades soient guéris. S'il est le même comme que les chômeurs trouvent du travail. S'il est le même comme que les pauvres trouvent de l'argent. S'il est le même. C'est pourquoi frère Branham dit, si vous croyez cela, regardez le diable, dites-lui, tu es menteur. Est-ce que vous pouvez le répéter? Dites au diable, tu es menteur. Tu es menteur. Tu ne pourras rien me faire. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Laisse que maintenant tous vos problèmes soient résolus. Que le Seigneur Jésus vous donne la bénédiction. Qu'il vous donne la vie. Qu'il prouve à chacun de vous qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous donne la vie. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la bénédiction. Qu'il vous donne l'argent. Qu'il vous donne du travail. Qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la guérison. Qu'il vous donne l'argent. Qu'il vous donne la vie. Qu'il lâche du Seigneur. Quitte la photo. Qu'il entre dans l'auditoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Déclarez tout ce que tu veux. Car le Seigneur est dans la salle maintenant. Oh, fille de temps, j'entends les gens qui me disent, pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Je crois toujours en ces miracles. Dieu
Mwambe Bwana. Croyez qu'il est le même. Et tu peux recevoir par la foi la victoire dans ta vie. Maintenant même, croyez que tout ce que tu vas déclarer, le Seigneur va l'accomplir. Il est dans cette salle pour accomplir sa parole. Prions le Seigneur Jésus. Mwambe Bwana Yesu.
aujourd'hui, il demeure le même. Il n'y a point à douter, je peux le faire encore. Fais le chiffre, tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance.
C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. Il est enye tout qu'on a lazima leo. C'est d'un Dieu ressuscité des morts. Neo le mbongo monyale fufu kakutoka wafu. Et qui est prêt maintenant même na ule mwenye iko tayari hapa sasa à faire tout ce qu'il a promis de faire pour confirmer sa parole. Ufanya kile yote nyali laka kwa ajili ya kuhakikisha neno lake. Et il ajoute anaongeza et nous avons besoin des représentants na tuko na lazima ya wawakilishi venant de là dans l'assistance wenye wanatokea kule mukinkunji. J'ai besoin de représentants et niko na lazima ya wawakilishi qui viennent de cet auditoire wenye wanatokea mwiko saniko les gens qui peuvent témoigner partout wale wenye wanaweza kushuhudia pote que Jésus est réel ya kwamba Yesu ni wa kweli. Ils qui sont disposés à faire reposer leurs armes wenye wako tayari kushusha masila zao sur toute la parole que tu as prononcée et kwa ile neno yote nye Mungu alitangaza et la mettre en action et na kuitia katika tendo. Il dit amen. Amina. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il est de tout qu'on lazima leo. Écoutez maintenant. Sikia sasa. C'est ce dont nous avons besoin. Il est tout qu'on lazima. C'est des hommes. Et ni watu. Et des femmes. Wanaume na wanawake. Qui se lèvent là au front. Wenye wanasimama kule mapambano. Et qui traitent le diable de menteur. Wenye wanaelezea shetani uko mwongo. Est-ce que pouvait le traiter de menteur? Est-ce que vous avez dit à Shetani ou Komongo? Dit au diable, tu es un menteur. Oui, les yeux à Shetani, oui, ni Mwongo. Et j'aimerais que vous répétiez ces paroles du prophète. Mais na peine à mourudilier, imisemo ya nabi. Et qui disent, et in yuansema, Jésus t'a dépouillé. Jésus t'a dépouillé. Et t'a arraché chaque droit que tu avais. Et c'est ça que toi que tu avais. Et je suis en Jésus-Christ. Et je suis en Jésus-Christ. Et le monde m'appartient. Et le monde m'appartient. Est-ce que vous le croyez? Et tu m'as dit. Dites amen. C'est ma amina. Le diable c'est un menteur. Je t'aime ni mwongo. Jésus l'a dépouillé. Yesu acha mutosha nguvu. Il n'a aucun droit. Anata kiyoyote. C'est pourquoi maintenant. Ndio maana hapa sasa. Laisse qu'il commence à quitter ta vie. Acha aanze kutoka maisha ni mwongo. Il enlève sa main sale. Atoche mikono yake sur mchafu. Ton corps. Et mu mwili yako. Sur ta vie. Mu maisha yako. Sur ta maison. Mu nyumba yako. Sur tes affaires. Mu makazi yako. Sur tes enfants. Mu watoto yako. Sur ta femme, mumuke yako, sur ton mari, tu es bwana yako, sur tes parents, muwamaza sur yako, tes frères, mujue wa ndugu yako, sur tes sœurs, wa wadada yako, sur cette église, mui kanisa, que le diable, Shetani, enlève sa message, atoche mikono yake, et qu'il rentre en enfermé vie, n'apate kurudia muke na mikono mikuku, maintenant que je vais prier, hapa sasa nitaomba, élève juste ta main là où tu es, ewe inua mukono pale umepatikana, ayez la foi, na uwe na imani, que le Dieu de William Branham est ici dans cet auditoire. Ayez la foi que la grande colonne de feu est ici pour confirmer la parole. William Branham a dit, dit aux gens ce que tu as accompli dans ma vie et ils vont prospérer. Et ce matin je vous ai rencontré ce que tu as accompli au travers de William Branham. William Branham, laisse que vous puissiez prospérer à tout égard au nom de Jésus-Christ. Alors que je prie maintenant, merveilleux Dieu d'Abraham, toi le sang d'Israël, toi l'étoile brillante du matin, toi la pierre de fête, toi le lion de la tribu de Juda, Simba ya kabila ya Yuda, ton nom c'est le Seigneur Jésus, jina lako ni Bwana Yesu, tu es le grand Elohim, we ni Elohim mkubwa, le tout suffisant, we mwenye unaenea, toi le El Shaddai, we El Shaddai, le Dieu
Dieu qui avait béni notre père Abraham. Tu es le même Dieu que nous adorons aussi. Et souviens-toi, Père, que tu avais promis à notre père Abraham que tu nous béniras et que tu écouteras nos cris. Toi qui avais écouté le cri d'Ishmaël, alors que tu avais créé cette source dans le désert, là où il n'y avait pas de l'eau. Et quand Agar a regardé, elle pouvait appeler cet endroit la Kairoi, le puits de celui qui vit, le puits de celui qui me voit. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus vers toi, celui qui vit et celui qui nous voit. Regarde dans cet auditoire, il y a des mœurs qui sont levées pour te dire, mon Seigneur, que derrière chaque main il y a un Père Dieu puissant, une requête. Il y a la demande, mon Seigneur, comme toi tu vois toutes choses, toi qui sondes le cœur et le rang, toi qui vas même dans le ténèbre, rien n'est caché devant toi. Je te prie, mon Seigneur, que tu donnes à ces peuples ces précieuses bénédictions que tu avais réservées pour chacun d'eux. Accepte de pouvoir agir à maître, que tu confirmes ta parole. Pardonne nos péchés alors que nous avons pris la décision de mettre fin au péché, d'ôter les idoles de nos cœurs. Nous voulons que tu nous donnes, Père éternel, la marche intime avec toi. Nous te prions, Seigneur, que notre église soit établie sur le principe de la puissance de Dieu et de l'évangile de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit ait accès aux âmes de tes enfants pour les sauver maintenant, pour guérir les malades, pour bénir tes enfants, pour délivrer ceux qui étaient sous la prédicte, qu'il n'y ait personne dans cet auditoire qui sortira tel qu'il est entré. Toi qui as manifesté les signes de ta présence parmi nous, tu as agité de l'eau, Seigneur. Nous croyons que l'ange du Seigneur est dans cet auditoire. Laisse maintenant, Seigneur, que tu détruises tous les démons, que tu puisses maintenant délivrer ton Père et leur donner la solution à tous leurs problèmes dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. À jamais être mon Seigneur. Bénis tes enfants, exauce mes prières, écoute ma voix, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, souviens-toi de l'alliance, souviens-toi de la commission. Je t'appelle maintenant, viens honorer ta parole. Je ne t'ai pas en train de les rencontrer mon histoire, Seigneur, mais j'étais en train de leur dire ce que toi tu es, ce que tu représentes pour chaque véritable croyant. Maintenant, Seigneur, après avoir fait ma part, je te prie que tu descendes maintenant pour faire ta part, que tu descendes maintenant pour confirmer ta parole, que tu descendes maintenant pour prouver que tu es vivant, pour prouver que tu es présent, pour prouver que tu n'es pas un historique, mais tu es un Jésus autant présent. Et fellowship fait, Seigneur, que tu sors de l'histoire, que tu agisses parmi ton Père. C'est pourquoi laisse, Seigneur, que tout celui qui avait besoin de recevoir la vie éternelle, qu'il la reçoive maintenant. Que tout celui qui avait besoin du pardon de ses péchés, qu'il soit pardonné. Que tout celui, Seigneur, qui était malade, peu importe le nom de la maladie, laisse qu'il soit guéri et que tous les démons de maladie puissent libérer les corps de tes enfants maintenant même.
et qu'il retourne en enfer. Au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas besoin de connaître leurs noms. Peu importe les noms qu'ils portent, laisse que maintenant, car c'est un démon. Je le chasse. C'est le marque 16. Libérez les enfants de Dieu. Libérez les corps des enfants de Dieu. Libérez maintenant les enfants de Dieu. Enlevez vos messages. Enlevez votre emprise sur ce peuple maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui était malade soit guéri. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui était soit délivré au nom de Jésus-Christ. À jamais être mon Seigneur. Bénis ce peuple. Console-le. Toi-même, tu nous as dit au travers de ton prophète que la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi Jésus bénit ce peuple. Donne-le de l'argent. Donne-le des moyens financiers. Aide chacun d'eux que la pluie de la bénédiction puisse tomber dans cette église en abondance maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tout celui, Seigneur, qui avait des difficultés financières, Seigneur, que tu les bénisses, Père. Les affaires qui ne marchaient pas, lorsque cela marche, les factures qui n'étaient pas payées, lorsque cela soit payé, que la promotion qui retardait soit donnée à tes enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur du travail. Lorsque chaque femme stérile puisse concevoir, que chaque femme stérile puisse recevoir les enfants. Au nom de Jésus-Christ, honore ta parole. Tu as dit que dans ton pays, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avance. Lorsque maintenant, que cette parole de l'Écriture soit accomplie dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus, que tous ceux qui retardaient perdent plus à leur maternité soient ôtés maintenant, même s'ils n'avaient pas de trompe, même s'ils n'avaient pas de matrice. Crée, Seigneur, crée, Jésus, crée, mon Seigneur. Tu es la puissance des créations. Laisse que ce matin, que tu crées de nouvelles cellules, que tu crées une nouvelle vie pour tes enfants, Seigneur. Que tu crées, Seigneur, tous ces dons ils ont besoin. Au nom de Jésus-Christ, que le célibat père pour des bons mariages à jamais trop Dieu. Que tous ceux qui étaient maudits soient bénis, Père. Tu nous as dit dans ta parole que tu as refusé d'écouter Balaam. Oh Dieu merveilleux, lorsque ce peuple soit béni et que la malédiction soit transformée en bénédiction pour tes enfants au nom de Jésus-Christ. Soutiens-les, Jésus, à jamais être père. Descends maintenant dans cette salle pour agir, Jésus. Confirme ta parole, donne-nous le véritable réveil. Nous voulons être, Seigneur, un tabernacle du Saint-Esprit où Dieu agit, où Dieu parle, où Dieu marche, où Dieu couvert, où Dieu a la préminence, où Dieu accomplit des miracles et des prodiges. Destine, Seigneur, parmi ses enfants. C'est pourquoi, mon Seigneur, à jamais trop Dieu accomplit des miracles, accomplit des prodiges, accomplit des signes. Nous voulons te voir. Je prie, Seigneur, que tu aies des représentants venant de cet auditoire dans tous les domaines. Que ce soit ministériel, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les travaux de bureau, que ce soit partout, ayez des représentants qui viennent de cet auditoire en tant que leur berger, en tant que leur pasteur. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Je le bénis au nom de Jésus. Je le déclare prospère au nom de Jésus. Tiens, confirmé ta promesse, Seigneur, ce que tu m'avais promis. Viens agir, amen. Viens confirmer qu'un foie nouveau souffle
sur ce peuple. Souffle sur cette église. Au nom de Jésus-Christ. C'est la puissance du diable qui a péché l'avancement, qui a péché la bénédiction, soit détruite au nom de Jésus-Christ. À jamais très paix. Ô Dieu de gloire, donne-nous, Seigneur, la foi qui amène le diable à se soumettre. Donne-nous la foi qui écrase les doutes au nom de Jésus-Christ. Sois béni à jamais. Sois glorifié. Sois élevé. Sois placé au-dessus de toutes choses. Toi, notre Dieu. Toi, notre Seigneur. Toi, notre Roi. Merci, Jésus. Merci, notre Père. Merci, notre Roi. Merci, toi, l'étoile brillante du matin, Jésus. Merci, toi, la pierre de fête. Le plus beau d'entre dieux. Pour l'ensemble, c'est toi. Le mari capable. Toi, tu es l'enseigne du jour. Le Dieu parfait. Le Dieu trois fois saint. Toi, le grand El Shaddai. Toi, Elio. Toi, Elola. Toi, El Jibo. Toi, les Jéhovah Jireh. Les Jéhovah Tikeno. Les Jéhovah Nissi. Les Jéhovah Rapha. Les Jéhovah Shama. Toi, notre Père. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, mon Seigneur. Nous te plaçons, tendre Père, au-dessus de toutes choses. Agis à maître Père. Et marche en vainqueur dans cet auditoire. Au nom du Seigneur Jésus. Sois béni à jamais, Père. Ô Dieu de gloire. Pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, nous te disons merci. Nous t'acclamons, Père. Nous poussons des cris de joie. Parce que toi, notre Père, tu nous as bénis. Tu as confirmé ta parole. Toi qui as dit, Père Tout-Puissant, que tu te manifesteras parmi ton peuple, Dieu. C'est pour toi, Seigneur, sois glorifié à jamais. Toi, l'étoile de Bethléem, laisse que tu puisses, Seigneur, envoyer tes rayonnements sur ce peuple et que tout fasse clair maintenant même tout autour de eux et que ton peuple prospère à tout égard dans le nom si béni du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous soyons un peuple rempli du véritable feu, le feu du Saint-Esprit, le feu du réveil, et que les esprits de lourdeur, de froideur, de distraction, de l'incrédulité soient renvoyés à l'enfer dans le nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni à jamais. Bénis cette nouvelle semaine quand ton peuple sera sur le lieu du travail demain. Que la pluie de la bénédiction les accompagne en abondance et chacun voit la même puissance de Dieu dans ce qu'il fait comme travail. À jamais être Père, soutiens-le en toutes choses, épargne-le de tous les dangers. Sois avec eux même si le chemin est rétrécit. Épargne-le des accidents et bénis cette nouvelle semaine. Lorsque tu pourras nous ramener ici le mercredi, nous ne manquerons pas, Seigneur, de te dire merci. À jamais être Père, sois béni à jamais. Béni Père Tout-Puissant, tous les nôtres qui sont en déplacement, en voyage, nous les recommandons à toi. S'ils sont en voyage, Père, c'est pour des raisons de service. Nous prions que toi, le Dieu de William Mario Branham, que tu sois avec eux, que tu le bénisses. Et quand ils reviendront au milieu de nous, qu'ils viennent avec les témoignages de ce que tu as fait pour eux. Qu'ils viennent avec la bénédiction, parce que toi, tu es Dieu, Père. Et tu sais que l'Évangile a besoin de l'argent. Oh Dieu puissant, à jamais être mon Seigneur, et manifeste-toi, Père, parce que toi, tu es l'Éternel. Et tous ceux qui étaient en ligne, bénis-les, Seigneur, donne-les tous ceux dont ils ont besoin, que la même bénédiction leur soit aussi offerte, parce que toi, tu es Dieu. Bénis notre pays, assiste, Père, rétablis la paix sur toute l'étendue de la République. Oh Seigneur Jésus, accepte de pouvoir écouter les cris de tous les saints innocents qui sont versés injustement, Seigneur, qui crient vers toi, Père, et nous prions pour la paix. Prions
prions, Seigneur Jésus, pour que tu rétablisses réellement la paix, Seigneur, sur toute l'étendue, afin que, Seigneur Jésus, que tes enfants qui sont partout dans ces zones de troubles puissent aussi avoir le temps d'écouter ta parole et de t'adorer toi, le Seigneur Jésus-Christ. Assiste aussi, Père, nos militaires qui sont au front. Aide-les, Seigneur, protège-les et donne-les réellement la victoire. Sois béni à jamais, parce que toi, tu es l'Éternel. Nous prions aussi pour nos autorités. Nous prions pour notre président, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les épargnes de tous les dangers et que tu l'aides à bien travailler et à rester sur son mandat, Père. Sois béni à jamais, béni l'épouse à travers le monde entier, béni Israël ton peuple et béni aussi la famille du prophète. Béni toutes les hommes d'affaires qui soutiennent ton œuvre, Seigneur, et toutes les femmes d'affaires qui soutiennent l'œuvre du Seigneur, l'œuvre missionnaire. Soutiens-le, Jésus, au nom puissant du Seigneur. Sois glorifié réellement jamais, parce que toi, tu es l'Éternel. Nous te bénissons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous poussons les cris de joie, parce que toi, tu es Dieu. Tout pour la gloire. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié dans le nom de ton cher Fils Jésus-Christ, alors que nous disons amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonami Bariki. Est-ce que vous vous sentez très bien ce matin?